Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce nouveau tutoriel de notre série sur la configuration des routeurs MikroTik, nous allons voir comment définir, afficher et réinitialiser le mot de passe du compte administrateur du User Manager de notre portail captif. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être toujours informé lorsque nous mettons une nouvelle vidéo en ligne. A tout de suite. Alors, depuis notre dernière vidéo, on avait permis de mot de passe lorsqu'on configurait notre User Manager. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est taper admin sans mot de passe et je me connecte. Pour changer son mot de passe ici, une fois que je suis connecté, je viens ici à gauche sur Customers. Sur Customers, je clique sur Admin et sur Admin, je viens sur la ligne Password. Sur Password, je vais taper quelque chose. Une fois que j'ai tapé ce que je devais taper comme mot de passe, je clique sur Save. Voilà, j'ai cliqué sur Save et c'est tout ce qu'il faut faire pour changer le mot de passe du compte administrateur de notre User Manager. Je vais me déconnecter. Maintenant, il peut arriver des cas où vous avez tapé votre mot de passe et maintenant vous l'avez oublié. Quand vous essayez de vous connecter, vous avez cette petite ligne en dessous, Invalid Username or Password. Et malheureusement, vous ne savez plus du tout qu'est-ce que vous avez tapé comme mot de passe. Pour corriger ce problème, on va dans notre Winbox et on va sur New Terminal ici à côté. Dans New Terminal, ce qu'on va faire, on va taper Tool User-Manager. On va entrer. Ensuite, on va taper Customer. On va entrer. Et puis print. Voilà. Voici la première ligne ici, login admin, et le mot de passe c'est quelque chose. Comme je disais, j'ai presque tapé quelque chose. Voilà notre mot de passe, comment l'afficher. Si on voudrait le changer, on va taper set admin et on va taper password égal. On va mettre le mot de passe qu'on veut taper, qu'on voudrait utiliser, Risk Consulting 2019. Voilà. Pour être sûr qu'on a bien tapé ce qu'on voulait, on va afficher à nouveau print et login admin password Risk Consulting 2019. Donc avec ça, on peut rentrer ici et on va taper Risk Consulting 2019. Et on est reconnecté. Voilà, si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de les liker, partager et surtout commenter. Nous attendons beaucoup vos commentaires, vos avis et suggestions.